Eh bien salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, je pète la forme comme d'habitude. Et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, la cinquième vidéo de Mastercraft saison 4. Donc avant que cette vidéo commence, c'est pas possible. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à me suivre sur Twitch directement en me suivant directement sur Twitch. Du coup les amis, je tiens à vous présenter d'abord ça, voilà. En premier, ce qui a changé justement, bah ça, voilà. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est un champ, voilà, un champ de pommes de terre, ça fait mal. Voilà. Donc c'est un champ de pommes de terre, voilà, qui est en train de pousser légèrement. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait une belle structure, une belle structure. Voilà, mais c'est tout ce qui a changé, voilà, j'ai pas fait grand chose, voilà, j'ai juste fait ce champ là. Du coup les amis, aujourd'hui en attendant que ça pousse, on va aller, comme vous voyez dans le titre, on va aller se faire une visite des différentes caves, des grottes, voilà, il faut juste que je trouve un endroit pour miner. Non, bah, au pire, je descends directement. Cette maison-là, vous allez voir, on va faire quelque chose de bien. Toc, 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 on va casser le lit. Oh, j'aurais pu... Ah bah non, c'est ça. 7h du jour. Toc, 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 toc. Et ce qu'on va faire, on va descendre par là. J'ai pas de hache. J'ai pas de hache. Ça, on va y ranger. Il faudrait que j'organise un peu mes coffres, surtout parce que il y a des nouvelles choses. Oui, la nourriture surtout. Hop, hop, hop. Il me faut quoi? Du fer. Voilà, comme ça, ça va me permettre de faire une hache, des bâtons. Une torche, voilà ce qu'il me faut pour descendre. Toc, 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 toc. Oui, je viens juste de me réveiller, c'est normal. C'est normal que je traîne un peu. Hop. Non, composer le fer. Composer le fer. Ah, bah non, je vais le dire. Attends. Voilà, on va creuser notre huile à partir de là. Du coup, ici, on aura le premier bloc et là, on descend. Voilà, et on va descendre tout le long comme ça. Toc, toc, toc. Faut que je compte deux à chaque fois. Bon, sinon, je peux faire directement comme ça en fait. Descendre comme ça. Ouais. En fait, je veux pas faire quelque chose de trop. Voilà. On va descendre en minage normal. Hein, j'aurais dû en faire une autre de pioche. En plus, ça fait longtemps qu'on n'est pas reparti dans les grottes. Donc là, on est couche. Attends, j'ai pas fait gaffe. 58. 58 ? Bah, dis donc. Déjà, j'avais cru qu'on était plus haut que ça, tu vois. Ok. Là, il y a déjà une grotte. Là ! Aïe ! Tu peux pas monter, gars. Ah, tu peux pas monter. Il est mort. Il était mort. Toc. Ok. On peut torcher là. Torche. Là, il y a du... Là, il y a du charbon. Mais il y a pas de nouveaux minerais ou des trucs que je trouve comme ça? Bon. En tout cas, là, on a un accès à la grotte. Ok, on peut descendre. Ça, c'est pas mal. On va mettre des petites torches là. Là, histoire d'éclairer un petit peu. Du cuivre, ça peut toujours servir. Voilà, le but, d'utiliser le moins de pioches possible. Déjà que la mienne, elle est à... Attends, c'est marqué où? Là, 80%. Il faut que je la tienne dans la main, d'accord.
On peut se permettre de placer un peu de torches n'importe où, hein, parce que on en a ce qu'il faut. Le but aussi, c'est de trouver du diamant là. Oh merde, il y a de l'eau. Oula. Ah, il y a du lapis derrière. Ah! Allez! Allez, allez. Tu peux le faire. Voilà, c'est bon. Bon, pire, le minerai de cuivre, je sais pas si c'est trop intéressant, mais on en prend un petit peu quand même. Du fer. C'est vrai qu'il y a des sons d'ambiance en plus. Ah, il fait nuit! Je pose moi comme taré, c'est pas grave. Allez, viens ici, toi. Non, jamais creusé ce soir. Okay. Ça fait peur. Bon filon de fer. Du cuivre, vu que là il est facile d'accès. Un bloc! Bloc directement en cuivre, tiens. Hop. En fait, ça équivaut à, je crois, à 9 trucs de cuivre comme ça. 9 minerais de cuivre directement. Alors, je vais casser un peu sur de la terre, c'est un peu ridicule. Hop. Je vais mettre un peu de lumière quand même pour YouTube. Voilà. Pour YouTube. Non, j'ai peur là. Je vais mettre quand même un petit. Merde, pas ici. Voilà. Je vais mettre un petit bloc là. Comme ça, si jamais il y a un mob qui apparaît, je ramasse tout. Hein. Je ramasse vraiment tout le minerai. Si jamais si on en a besoin. Ok. C'est la nuit de toute façon. Faut que je fasse gaffe. Ça a pas l'air de spawn. Oh oui, là ça continue à descendre. Bon, on peut y avoir le minerai de cuivre, on verra ça plus tard. Là, il y a vraiment du potentiel. Là, on peut faire vraiment un village sous terre, là. La seconde ville en dessous. On va faire une ville dans une ville. Enfin, une ville sous une ville, plutôt. Ça, c'est pas mal, ça. Putain, j'ai eu peur. Là, ici. Ah, on en profite pour bien torcher le truc. Torcher, il n'y a rien de... Hein? Ah, on y va. Oh! Tu m'as fait peur. Allez! Voilà, parfait. Du fer. Un seul, ok, Forever Alone. Là que deux. Super! Bah dis donc. Super, super généreux, les gars. Hein. Non, il doit en avoir ailleurs. On va descendre en mettant plein de torches. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Un œuf d'araignée. Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie que ça fasse des trucs bizarres. Ça fasse spawn quelque chose là, donc j'ai pas envie. Waouh, wow, qu'est-ce que c'est que ce machin? Il y a du truc. Waouh, mais c'est. Attends, c'est. Ah, des pots! Ah, il y a des choses dedans. Ah, tu peux mettre des choses dedans. Ah bah d'accord. Bon, c'est que je savais pas. Ok. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? On va continuer par là. Le cas, ça file. Ah, il y a des squelettes là-bas. Squelette. Parfait. Ah! Non, pas cette araignée là! Oh la vache! Vite, tue! Ah oh, non! Pas grave! Putain, il y a le mode avec les tombes et tout.
Attends, je crois que j'avais découvert quelque chose. Si je fais ça. Non, tu peux pas. Ah, alors pas du tout. J'avais cru que j'allais découvrir quelque chose. Et... Perfecté. On est gentil, hein. Ouais. Allez, encore les cadres. Ouais, ça va. Hein. Non. Hop, on est pas là. Justement, rien faire. Bon, ça, je vole. Pourquoi je vole? Ah, parce que je suis un fantôme, c'est pour ça. Par contre, les shaders, ils se sont désactivés, c'est bizarre. Ou il fait jour, peut-être, je sais pas. Ok, voilà. Voilà. Hop. Et. Voilà. Ça arrive. Voilà. Ça remplit directement. C'est pas mal, ça. Bon, on continue. Ah non, j'adore s'ils sont remplis. Ah, mais il y a du fer. Attends. Le mec, il lève pas les yeux vers le haut, quoi. Attends. Il y a du cuivre, on s'en fiche. On est couche combien? 20? Okay. En fait, j'hésitais parce que je voyais du fer plus haut. Mais pour l'instant, on va déjà prendre tout le fer. Ouais, pur et dur, sur YouTube, ils continuent à faire le game sur Minecraft. Bah, il y en a qui le font aussi. Minecraft, et dire que Minecraft, quand même, c'était le premier jeu streamé, hein, sur YouTube, à mon avis. Hein. À mon avis, c'est pas vrai, mais bon. Moi, j'ai connu les vidéos gaming grâce à Black Dream, en 2011. Il a arrêté. Et après, j'ai continué avec For You Jumper, et il a continué aussi. Après, j'ai vu aussi Oxylac, voilà, c'était ma génération, quoi. Oxylac, Fury Jumper, voilà. Black Dream, c'était ma génération à moi. Après, Fezzo aussi, oh là, ça. Fezzo, c'était en 2012, je crois. Black Dream aussi, il était pas bon. Ok, ça remonte et il y arrive. On va continuer à descendre, juste éviter que je perde mon chemin. Donc on va revenir plus loin. La lave, attention la lave. Attention, lave. Ça m'intrigue ça, je sais pas ce que c'est. Beyond Plenty. Bah, à mon avis, si je le casse, ça va faire spawn une araignée, à mon avis. Donc on va éviter, hein. Vu que c'est un œuf d'araignée, donc on monte. Du charbon, est-ce qu'il m'en reste? Je sais pas. On va quand même le prendre parce que là il est facile d'accès. Ah, un Enderman. Par contre, les sons, ils sont vraiment réalistes. Vraiment un peu trop réalistes, moi je trouve. Voilà. Hein. Regardez. Aïe. Regardez, on va continuer à descendre, hein. On va reprendre notre tunnel là-bas et on va continuer à descendre. Voilà. Prendre du charbon, en fait. Charbon, c'est cool. On va remonter à la maison. De toute façon, on en profite d'être pas si bas que ça. Pour remonter à la maison. Profiter d'en monter à la maison pour se refaire une nouvelle pioche. Tout ça, enfin là où ça peut se ranger. On va prendre ça, le pauvre fer que j'ai. Charbon,
Regardez là, le pays quand même. Il est où mon fourneau? Là, on va prendre 3, 4, faire cuire ça. Toc, toc, toc. Voilà. Donc pour vous dire, un stack, en fait, un stack de... Enfin, pour vous dire, en fait, un stack de charbon vous permet justement de cuire... non, pas un stack de charbon, donc qu'est-ce que je dis? 8 charbons vous permet de cuire un stack. Voilà. Et après, vous pouvez faire des rapports en faisant ça. Ah. Café, toujours bon pour la santé. En plus, ça arrive. Laisse-moi faire une nouvelle pioche, vous voyez ce que j'avais dit. Ce que c'est, soupe suspect. Bon. On verra. 1, 2, 3. Toc, on va prendre. Je suis pour en bois. Ils sont où les bâtons? Ah non, ils sont. Aïe! Pardon. Ok. Non, je peux pas chercher, il y a trop d'items là-dedans. Voilà. Restez cassé. Hop. Comme ça, on a une nouvelle pioche. On va mettre là. Voilà. Les bâtons. Allez. Les derniers. Voilà. Ça, on a de quoi. On va faire un bout d'armure, enfin une armure entière, si jamais on en a besoin. Mais nous, ce que l'on veut, surtout, c'est du diamant. Du coup, on y va. On y retourne. Vers une torche. Ça, c'est vrai, même la bouffe, les torches. Putain, j'avais tout posé. Là, 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 merci. La hache, ouais, ça peut être intéressant. Voilà. On descend. On va ranger un peu notre inventaire quand même. Un peu de soleil. On va essayer de faire un mur quand même, histoire de protéger un peu l'escalier. J'ai rien du tout, mais bon, c'est pas grave. Là, ouais, pioche. Pourquoi je bug à chaque fois? Il faut m'en vouloir, hein. Je vais juste me réveiller. Ouais. Ensuite, 47, 46. Je crois que j'aurais les shaders pour miner parce que c'est assez perturbant quand même. Comment je peux faire ça? On va créer un mur là sous le long. On va éviter qu'il passe. Ah, ça arrive de la stone. De la stone. Non, pas de la stone là. Cobble stone. Ça. Ça permettra de voir l'extérieur. Après, j'améliorerai un peu tout ça. Ils peuvent passer. Donc, comme ça. Voilà. Et là, normalement, ah, s'ils peuvent encore passer. Il faut que je mette une couche là. Voilà. Et normalement, ouais. Si, là, ils peuvent passer. C'est bon! Comme ça, on a un peu le visuel. Si jamais on a quelque chose, voilà. Le visuel quand même. Allez, on descend. Oh, du gravier. Putain. Technique. Voilà. On enlève un peu le gravier. Le gras. Putain. Le gravier. Voilà. Ah, oh, du silex, en fait, pour faire les briquets pour plus tard, pour aller dans le nether.
Encore pour trouver du diamant, avant c'était bien, c'était couche 11, mais maintenant ça a changé. Maintenant ça peut être n'importe où. Tiens, est-ce que sur la map on peut voir des choses ou pas? Allez, couche 27. Je m'en souviens, avant c'était couche 12. Je m'en souviens, à la bonne époque. Si c'est ça, après je m'en souviens plus. Suis concentré surtout là, j'essaye d'entendre des bruits. Ok, en fait ça n'arrange rien du tout. Oh, là, je suis là, d'accord. Donc si je continue, c'est comme ça. Je continue là, tout droit. Normalement, je tombe sur. Ouh, elle est belle la grotte là. On va continuer par là. 16, on va descendre quand même. Oh, du fer, merci. Là, on va récolter le fer quand même. Ok. Oh. On va aller couche 11. Voilà. Et on creuse tout droit. Ouais, c'est ça. Et on creuse tout droit. On va se mettre un repère ici, grotte. J'ai enlevé une majuscule. Ok, c'est par là normalement. 83 mètres. Oh la vache! Eh, c'est pas une petite. C'est pas une petite grotte, hein. Non. Comment j'ai traversé ça? Ah! Non, ah, attends. Allez, monte. Merci. Comment je vais traverser ça? Voilà, avec un pont. Ah, j'ai pas le choix. Oh, il y a un squelette. Oh la vache, la caverne de ouf. Ah non, c'est marqué nid d'araignée. Donc, à mon avis, c'est nid d'araignée. Ça se voit de toute façon. Allez, viens ici. Viens. Monte. C'est bien. Non. Viens ici. Viens ici. Hey. Oh. Oh. Bon. Coucou. Parce qu'il me fait un jumpscream, c'est bon. Et où? Ah, parce que là, si je fais... je sais ce que je vais faire, hein, les amis. Hein, c'est un pont. Mais juste, s'il y a un squelette qui me tire dessus... Si je tombe, je suis très mal. Donc, parce qu'après, je pourrais pas le monter. Yo, le coucou. Oh! Coucou! Viens ici! Bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Suis. Et ici. Oh! Putain. Oh, putain. Non! Viens ici. Ah! Ça
vrai qu'il a les pierres en fer, elle est pas ouf. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai eu l'auto qui. Ils sont tout de suite. Merci. Là, bien ici. Hop, 2, 3, 4. Je sais bien compter. Enfin, j'espère. Ah, ça me trouble, là, ce machin là. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On va faire un pont. De toute façon, on est obligé. On est obligé. Hop, hop. Après, je ferai un pont en crête. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est une flèche. À mon avis, je suis crevé. C'est parti. Donne-moi la paix. Oh, mais mec, mais c'est quoi cette grotte? Allez, raté. Qu'est-ce que je vais faire? Ah, je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? On va quand même essayer. Oh, salut toi. Hop. Salut. Et j'y berre. Voilà, c'est bon. Bouffer. Ça va régénérer. Là, par contre, on va mettre un bloc ici. Pour qu'il passe. Alors, on régène, on a le temps. L'armure, ça va, ce. Ouais. Là, il y a de quoi faire un vrai pont dans le machin. Putain, le mec, il pense. Il est quoi ici? Vous voyez là, au bout de mon curseur, il est quoi ici? Bon, allez, on y va. On va éviter de. Voilà. Allez, on va les visiter. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette grotte? Beaucoup de trucs, à mon avis, parce qu'elle est énorme. Hop. Ah, salut, toi. Oh, mais touche! Pas vrai! Pas vrai! Vous direz l'autre. Ah, non, 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 non. Ah, c'est toi qui m'as tiré tout à l'heure. Ah. J'ai un peu coincé. Mais dis donc, il voulait pas crever! T'as des ficelles. Je vais le faire. Ouais, ok. De la redstone. Est-ce qu'on a besoin de la redstone? Non, mais ça fait de l'XP. Donc, je prends. Non, non, on va pas creuser sous soi parce que ça, c'est une mauvaise idée. Ça fait de l'XP, hop. Voilà. Doucement avec les bruitages, doucement. Ah, c'est vrai que c'est lui qui est coincé. Bon, j'avoue que c'était facile. Oh, ça va, ça vous. J'avoue. Oh, ça va. C'est facile. Allez, torche. On va mettre là. Oh, à mon avis, on est proche de la coupe du diamant. Donc, à mon avis, il doit y avoir. D'avoir du diamant pas très loin. Oui, je m'y habitue au raccourci clavier 6. Il y a de l'or là-bas.
un trou. Là, il y a... Non. Ah, non, 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 non. Ah, je t'avais pas vu, toi. Attends, t'es où? Allez, tape! Putain, quand même! Oh, non. Il régène vite, c'est bien. En plus, j'ai mis le jeu en difficile. Du lapis. Ça, c'est bien pour les enchantes. C'est bizarre qu'il n'y ait pas de diamant. C'est bizarre. Parce que là, on est vraiment profond. Par contre, il y a du fer. Ah, salut. Ah, si tu tombes là-dedans. C'est incroyable, hein. Caverne de... J'ai jamais vu une caverne comme ça. Quand c'est à mon avis, c'est avec les mods. Qu'est-ce que c'est ça? Des générations qui sont... Des générations les unes sur les autres. J'ai réfléchi comment descendre. Parce que après, il faut remonter. Si jamais on doit remonter en urgence. Oui, j'allais dire, vas-y, par là avec la source, oui, c'est ça. Le problème, c'est que c'est un peu haut, mesdames et messieurs. Si je saute, là, je suis mort. Comment je peux faire pour descendre? Au pire, on va continuer le pont et on peut... Ouais, ça va faire. On va continuer le pont. Là, t'es sûr? Là, là où il y a un creeper. Allez, viens ici, viens ici. Viens là. Viens là. T'attends. Chaud. Oh putain! Mort. J'allais dire continue le pont, mais non. C'est ça le seul problème, c'est que t'es jusque là. Te pousse, t'es mort. Là, si je tombe, il y a de la lave. Donc, si je tombe et dans la lave, je suis double mort. Il est pas mort. Il est mort ou il est pas mort? En bas. Hein. Voilà ce qui est. C'est quoi ça? Ça va le pont interminable? Hein? Squelette. Squelette. Mais c'est bon. Putain, mais c'est quoi cette grotte? Continue un peu tout droit. Ça descend directement jusqu'à la bedrock, à mon avis. Franchement, dans cette grotte, il y a de quoi faire. Voilà. Ici, on va continuer tout droit. Oh, il y a... Quoi? Il y a de l'eau? Oh non.
Ah, ça complique. Peut creuser un tunnel normal, non? Ce qui avec des trucs normaux. Il n'y a pas de diamant. Et ça, c'est bizarre. Regardez-moi, mais la longueur se pose. Bon, du coup, les amis, je crois qu'on va se quitter là. Je suis désolé, on n'a pas fait grand-chose. Si, on va découvrir une grotte. Voilà, c'est tout. Je ferai un. Je pense que je vais faire le pont en créatif. Parce que là, c'est bon. C'est bon. Parce que là, franchement, j'avais vu un truc aussi énorme dans ma vie. Franchement, t'arrives comme ça et bim, directement la grosse grotte comme ça. Ouais, à mon avis, c'est grâce au mode qu'on peut faire ça. Je vais juste mettre ça. J'ai juste remonté en haut et après on se quittera là. Je suis désolé. Et là, du coup, les amis, merci de m'avoir regardé pour l'épisode 5 de Mastercraft. Si cette vidéo t'a plu, je l'aurais dit, n'hésite pas à bombarder cette barre de like, commenter et partager les vidéos, ça me ferait extrêmement plaisir. Abonne-toi si t'en as envie. Suis-moi sur les réseaux sociaux, par exemple, comme pardon, Twitter ou Facebook. Et sur ça, les amis, je vous souhaite à tous une bonne continuation. C'était Master Raid, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je sais pas ce qu'on fera dans la prochaine, je verrai. Je vais ficher les objectifs, je pense. Parce que sinon on va tourner en rond pour rien. Du coup, je vous dis à plus tard, les amis. À bientôt.